Avec votre permission, on ne va pas sacrifier au quart d'heure qui n'est pas que Poitevin. Visiblement, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est les 20 minutes béarnaise. J'ai vu ça l'autre jour à Pau. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour une des étapes de la rentrée de l'espace Mendès-France. Je voudrais vous en dire un mot. D'abord, vous remercier d'être présent. Le présentiel va redevenir un mode normal, ce qui nous paraît anormal encore, avec ou sans masque, etc. Donc sachez que la maison a adopté une position par rapport à ses publics qui est exactement celle que vous vivez actuellement. Dès l'instant où on entre dans la petite boîte qui est ce bâtiment avec son pass, on peut à loisir garder ou enlever son masque. Voilà, donc ça fait partie des nouvelles doctrines qui sont en train d'être appliquées. J'espère qu'à partir du 15 novembre, nous pourrons retrouver nos publics dans une situation où le regard des uns et des autres, l'expression, les sourires, les façons de concevoir un dialogue reviennent à des choses que Homo sapiens, que nous sommes, connaît depuis très très longtemps et qu'on a occulté à l'occasion de cette pandémie, dont nous reparlerons dans cette salle très souvent dans les mois qui viennent. Et c'est pour ça que je voulais vous dire un mot de cette maison et de votre présence ici. L'espace Mendès-France est un centre de culture scientifique qui a été créé il y a un peu plus de 40 ans par des universitaires poitevins, des sciences dites dures. Car quand à la fin des années 70, on pensait culture scientifique, on pensait vulgarisation des sciences dures. Alors vous direz, qu'est-ce que fait l'histoire médiévale à l'espace Mendès-France en 2021? Eh bien, l'histoire médiévale dans notre bâtiment en 2021, c'est le cœur d'une discussion, c'est le cœur d'une réflexion. Puis je voulais saluer, par rapport à ce petit retour en arrière et cette mise en perspective, je voulais saluer Gabriel Bianchiotto, ici présent. Car finalement, en regardant les choses, moi, quand je suis arrivé ici, j'avais voulu relancer un cycle d'interprétation des phénomènes de notre monde par l'air, la terre, l'air et le feu. Nous avions commencé par l'eau, en fait, et ensuite le feu. Et c'est là où Gabriel Bianchiotto est venu dans cette salle faire une conférence sur à la fois ses écrits, la civilisation japonaise, bien sûr la dimension médiévale, et c'est là où on a inventé un partenariat qui est absolument unique en France et qui nous a permis d'avoir dans cette salle non seulement des personnalités éminentes, mais un dialogue de qualité et surtout d'inventer quelque chose qui est extrêmement à la mode en ce moment, c'est science et société. Science dans la société, parce que l'interprétation de ce qui s'est dit lors des journées d'études co-organisées avec le CESCM, l'interprétation de tout ça arrivait à une volonté de notre maison de placer le fait historique dans une perspective à la fois de compréhension de notre société, mais surtout d'un débat pacifié qui contribue à une concorde territoriale, et ça vous intéresse au premier chef, parce que la matière de l'histoire donne à penser par rapport aux phénomènes qui nous arrivent en ce moment. Et quand il y a des interprétations, alors conférences, débats, films, autres, peu importe, sur les grandes pandémies, on voit bien que ce que nous traversons, ce que nous avons traversé et la manière dont nous allons en sortir, en fait, nos glorieux et grands anciens l'ont déjà expérimenté, vécu. Et un certain nombre de faits historiques deviennent des éléments d'un débat. Donc cette maison, elle a placé cette question du dialogue science-société au cœur vraiment de son projet. Et les sciences de l'homme et de la société ne sont pas une cerise sur le gâteau d'une programmation où les maths, la physique, la chimie, la biologie, la géologie sont présentées à nos concitoyens. Donc montrer le lien entre les sciences exactes, les sciences humaines, nous paraît être, pionnier par rapport aux besoins dont nous avons toutes les traces en ce moment. Cette maison, c'est 180 000 personnes par an en 2019, année d'apogée d'une,
d'une expansion en direction des publics qui a commencé à la fin des années 90. C'est 80 000 personnes dans ce bâtiment et plus de 100 000 personnes à l'extérieur. Alors si je vous dis ça, c'est parce que dans le dialogue science-société qui va être au cœur des débats, moi je pars à Bordeaux dans quelques minutes pour dialoguer avec les présidents des universités de Nouvelle-Aquitaine, les services de l'État, les écoles d'ingénieurs, etc., sur ce qui est vraiment un débat science-société. Il n'y a pas de débat avec la société sans débat avec nos concitoyens. Et quand on parle de concitoyens, il faut que nos maisons, qui sont des acteurs culturels, scientifiques et éducatifs, mettent en place des choses qui permettent d'aller voir un autre public que le public des ce qu'on appelle les CSP+. Alors si je vous dis ça, c'est qu'il y a eu une dérive depuis une trentaine d'années dans l'action culturelle française qui est souvent dénoncée par un certain nombre d'observateurs statistiques et faits en main, où en fait il y a eu ce qu'on appelle une intensification culturelle pour une part assez faible de la population et un oubli de plus en plus grand de nos concitoyens sur ce qu'on appelle les zones blanches. Alors les zones blanches, c'est pas que le milieu rural, c'est aussi le milieu rural. C'est aussi de nouveaux liens à avoir avec un certain nombre de publics en situation difficile, précaire, en situation de pré-exclusion ou d'exclusion. Bref, si les discussions qui ont lieu dans cette salle ont un sens, c'est parce que ce que vous allez vous dire aujourd'hui, nous, acteurs de la médiation culturelle, scientifique et éducative, et je tiens à ces trois termes, on en fait un cœur de métier et un cœur de projet avec la volonté d'aller justement voir celles et ceux qui n'ont pas accès à ça ou qui ne se donnent pas les conditions de l'accès à ça, parce que tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc vous dire que ce qui se passe ici n'a rien pour moi d'évanescent, bien au contraire. Toutes les réflexions qui ressortent de vos discussions, mais également qui permettent à nos équipes de bâtir des projets, c'est absolument vital. Donc, en fait, vous avez l'impression de venir à une belle journée, qui va être belle d'ailleurs, d'échanges avec des intervenants tous plus savants, férus de science. Mais vous êtes là avec, par votre présence, une dynamique qui est celle que cette maison se doit de conserver dans les années à venir. C'est une dynamique qui permet de donner un sens à la relation avec nos concitoyens. Donc sachez que si une journée d'études comme celle-là est mise dans notre plaquette grand public, tirée à 80 ou 90 000 exemplaires, si c'est mis sur nos communications larges où cette journée côtoie une journée sur les vaccins, une exposition sur les gladiateurs, c'est pas par hasard. Quand mon ami Edgar Morin est venu pour la première fois ici, en 94, il a vu des choses dont il a reparlé beaucoup plus tard dans un de ses livres et dans une interview sur France Inter. Et à un moment, il dit « Je suis arrivé dans l'espace, dans le centre Mendès-France », puisqu'il nous appelle comme ça, « et j'ai regardé les affiches. Moi, j'intervenais un mardi, ce qui était vrai. Le lendemain, il y avait de la chimie. Et le surlendemain, il y avait une conférence sur Lacan. » Il en parle tout le temps. L'autre jour, j'étais à la Maison de l'Amérique latine avec lui et puis tout un tas d'amis. Il a 100 ans, il était à la tribune, il a parlé 1h15. Et il reparle de ça. Lui, ça l'a tétanisé de voir qu'une maison de culture scientifique puisse faire indifféremment entre le mardi sur la complexité et le jeudi sur Lacan un geste sur ces questions de sciences dures. Et à l'étage, il y avait une exposition sur drogue et cerveau. Cerveau et addiction, exactement. Donc, je vous incite vraiment, et j'en finirai là, je vous incite vraiment à, au-delà de la thématique qui vous passionne, de ce que vous voulez faire, à cultiver votre curiosité et à ne pas hésiter à regarder ce qui se passe dans d'autres champs que ceux qui vous intéressent, dans d'autres champs qui viennent de vos hobbies ou de vos préférences, parce que ce qui vous permettra de vous mouvoir dans le monde à venir, c'est cette capacité à s'adapter par,
par un fait culturel, hein. C'est celui que vous pourrez, vous, créer par votre, encore une fois, votre curiosité de lire, d'écouter, de regarder des choses différentes. Voilà, donc c'est l'esprit de la maison. Alors je voulais, je vais passer la parole à Héloïse, donc, qui organise tout un tas de choses ici. Ça a l'air hétéroclite, mais ça ne l'est pas. Elle est également, au-delà de l'organisation de ces journées, qui pour, encore une fois, hein, qui pour nous sont absolument essentielles, elle est aussi collaboratrice de la revue L'Actualité. Je crois qu'elle vous en a réservé un certain nombre de numéros qui sont à la sortie, donc n'hésitez pas, ils sont à votre disposition. C'est une revue qui est absolument originale en France, qui est soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine, qui continue cette aide comme un mécénat. N'hésitez pas, vous regarderez de page en page. On illustre exactement ce qu'on vient de dire, la complexité, le lien improbable entre des témoignages, des faits scientifiques, une iconographie absolument remarquable. Bref, voilà, donc encore une fois, moi je vous encourage à travers cette journée à vous exprimer, et je vous encourage à vous engager dans un parcours ouvert et plein de croisements différents. Voilà, donc Héloïse, je vais te laisser la parole. Merci à vous. Je vais finir mes présentations budgétaires pour nos chers présidents d'université. Et d'ailleurs, je vais leur raconter ce que vous faites ici, puisqu'on est les seuls à faire ce genre de journée. Merci. Bonne journée à vous. Merci Didier. Préciser pour les étudiants que la revue L'Actualité Nouvelle-Aquitaine, je vous ai mis quelques exemplaires des précédents numéros. Il y a aussi une plateforme en ligne. Je vous invite à aller regarder parce que vous verrez qu'il y a une diversité de rubriques et que nous travaillons avec le rédacteur en chef Jean-Luc Terradios, avec de nombreuses étudiantes et étudiantes sur la rédaction de l'accompagnement de rédaction d'articles. Donc si vous souhaitez à un moment dans vos recherches publier un article qui soit pas pour une revue strictement scientifique, vous en avez la possibilité dans nos pages, donc n'hésitez pas à nous solliciter de ce point de vue-là. Donc et puis vous verrez aussi que vous retrouvez évidemment le CESCM dans la revue, dans quasiment chacun des numéros, et que nous avons un grand plaisir à travailler ensemble et à accueillir ces journées. Donc je remercie Pierre-Marie Joris du CESCM justement pour l'initiative, voilà, tous les ans, même si nous avons été un peu handicapés ces derniers temps, et Joël Ducos pour l'organisation de cette journée, et puis la conférence d'introduction qui a eu lieu en janvier, donc pas en présence, hein, on était tous derrière nos ordinateurs, mais qui est toujours en ligne sur notre chaîne YouTube de l'Espace Mendès France, parce qu'on s'est mis à ça aussi, à essayer de casser, même si nous, c'est ces formats-là qui nous plaît parce que justement, ils vous permettent de discuter aussi avec vous, d'échanger de façon beaucoup plus simple. Et je précise que la journée, elle est filmée, là, en direct, qu'elle est rediffusée sur notre chaîne YouTube. Donc, un petit conseil, si vous voulez poser des questions, etc., attendez bien d'avoir le micro parce que sinon, ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, ils ne vous entendront pas. Voilà, c'était une petite précision. Je laisse la parole à Pierre-Marie. Peut-être dire rapidement qu'après le mot d'accueil de Pierre-Marie Joris, on aura une introduction par Joël Ducos. Et puis, les deux premières communications du matin sont donc Marc Moyon de l'Université de Limoges sur « Écrire les nombres au Moyen-Âge » et ensuite Stéphane Lamassé sur « Algorithme et abac au XVe siècle ». Donc je vais rajouter quelques mots à ces prolégomènes introducteurs pour mettre en contexte un petit peu la réunion d'aujourd'hui. Vous savez à quel point, depuis le début de la semaine, dans le cadre de l'atelier interdisciplinaire du Master Monde Médiévaux du CESCM, de l'UFRSHA et de la Faculté des Lettres et des Langues, vous savez à quel point les objets, les textes, les événements doivent être mis en contexte pour qu'on se donne une chance de les appréhender de façon pertinente et novatrice. Et donc je commencerai par vous transmettre les excuses de l'actuel directeur du CESCM, Martin Aurel, qui est appelé sous d'autres cieux à apporter la bonne parole du CESCM dans un colloque scientifique également.
Et donc c'est en son nom que je vous parle. Je remercie évidemment l'espace Mendès France, Didier Moreau et Élise Morel pour leur accueil, pour ce partenariat qui a une histoire, qui remonte à près d'une trentaine d'années. Je salue également avec plaisir la présence de Gabriel Bianciotto, qui a été plusieurs fois recteur pour les étudiants qui, évidemment, pour lesquels ce sont des événements assez lointains, qui participe d'une histoire d'une certaine manière, a été plusieurs fois recteur, il était professeur de langue et littérature médiévale à l'université de Poitiers, directeur du CESCM, et c'est par son entremise que d'abord un cycle d'histoire et des sciences et des techniques au Moyen-Âge s'est mis en place, il y a près d'une trentaine d'années déjà. C'était un cycle de conférences qui avait lieu au long de l'année, puis ensuite ça s'est peu à peu transformé en une journée intégrée par l'entremise de Claude Andreau, qui a porté l'atelier pendant de longues années et dont j'ai pris le relais. Et on pourrait dire d'une certaine manière que cette journée et ce partenariat du CESCM avec l'espace Mendès France est une histoire de cœur dans la mesure, dans tous les sens du terme, dans la mesure où c'est à l'occasion d'une conférence d'une collègue médiéviste qui s'appelle Danielle Régnier-Boller, qui avait été faite dans cette même salle à l'occasion d'une exposition de l'espace Mendès France qui était consacrée au cœur médical et au cœur dans l'espace imaginaire de la littérature. Et c'est dans ce cadre-là que Danielle Régnier-Boller était venue nous parler. Évidemment, la séance qui avait lieu en fin de journée s'était prolongée par un repas, et c'est autour de la table du repas que, par l'entremise de Gabriel Bianciotto, le projet s'était pour la première fois évoqué. J'en avais été le secrétaire sur la nappe de l'auberge, que j'avais rapporté le lendemain à la secrétaire du CESCM, qui avait fait une liste de noms, et voilà comment a pris forme cette longue série qui commence à avoir une histoire importante. Voilà pour la mise en contexte. Bon, au risque de dire en moins bien ce qu'a déjà dit Didier Moreau, j'aimerais juste insister sur l'importance du fait que des chercheurs sortent de leur laboratoire, où il y a toujours, même si c'est stimulant, un risque d'entre-soi. L'ouverture de l'université, des laboratoires vers la cité est primordiale, surtout en ces temps où on a tendance à jeter un doute généralisé, un doute douteux, disons, sur les acquis de la science. On se demande si on n'entre pas dans une ère décopernicienne, ou je ne sais pas comment dire la chose, tellement des choses solides sont mises en cause par notamment ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais bon, je reprends là un refrain qui est parfois évidemment inquiétant. Donc c'est pour nous, je crois, important de montrer au public, au grand public, bon, aujourd'hui par le biais évidemment du streaming, puisque les habitudes de fréquentation des manifestations publiques n'a pas encore complètement repris, ou une partie de notre public n'est pas encore présent, c'est une reprise assez lente. Et donc c'est important aussi de montrer que dans les laboratoires, il n'y a pas que de la lumière et du chauffage, qui se passe beaucoup d'autres choses. Voilà, donc il me reste pour clore les choses à remercier infiniment Joël Ducot pour son dévouement, hein, après la série des ports et reports de cette journée. Je la remercie aussi d'avoir accepté ce printemps d'être intervenu à distance pour introduire la journée et d'être présente aujourd'hui avec tous les collègues que je remercie aussi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'incite les étudiants, malgré
le truchement de cette chose, le micro, à ne pas réserver leurs questions. Ça ne doit pas être un obstacle. Merci. Merci Pierre-Marie. J'installe le micro. Et je vais commencer moi aussi par remercier l'Espace Main des France. Merci. Donc je vais commencer par remercier l'Espace Main des France pour son accueil et pour l'organisation régulière de ces journées qui sont toujours des grands moments pour tous ceux qui interviennent parce que nous avons l'impression de pouvoir faire partager à la fois ce qu'est un peu le Moyen-Âge, ce qu'est la notion de science médiévale, son impact, mais aussi de pouvoir montrer son actualité. Et je pense que, en fait, l'une des raisons pour lesquelles le Moyen-Âge attire autant, c'est parce que cette période résonne avec la nôtre, étant donné que c'est une période où rien n'est acquis, où il faut toujours adapter, où il faut toujours changer. On n'est pas du tout dans la noirceur, contrairement à ce qui a pu être dit il y a fort longtemps, mais on est plutôt dans une période qui évolue, qui se transforme et qui n'est jamais sûre finalement du lendemain, donc un peu comme notre époque, surtout après la période que nous avons vue. Donc l'Espace Main des France est un espace de dialogue entre les disciplines, de dialogue entre les générations, de dialogue entre les époques. Et j'espère que cette journée sera aussi fructueuse que les précédentes, mais je n'en doute pas. Donc je remercie à nouveau l'Espace Main des France et l'Université de Poitiers, ainsi que le CESCM, en la personne de Pierre-Marie Joris, mais aussi pour tous ceux qui sont représentés par Pierre-Marie Joris. Hein, et moi aussi, je salue l'initiative de Gabrielle Bianciotto, sans laquelle nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Alors, j'avais tenté d'expliquer un peu ce qu'était, pourquoi parler des chiffres et des lettres au Moyen-Âge. Il est évident que lorsque j'ai proposé ce titre, il y avait évidemment un jeu de mots par rapport à une émission de télé bien connue, un peu ancienne maintenant. Mais plus sérieusement, c'était aussi parce que c'est quand même une préoccupation qui est, malgré tout, celle qui existe pour tout médiéviste, qui se trouve face à des manuscrits, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque nous avons des chiffres dans les manuscrits, nous avons des lettres et nous avons des chiffres. Chiffres arabes, comme vous pouvez constater, c'est ce qu'il y a à gauche, hein, où nous avons la série 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, avec des formes qui ne sont pas exactement les nôtres, ou chiffres romains, comme nous avons de l'autre côté, où vous voyez qu'il y a le nombre de 6, par exemple, qui est indiqué, et même des exposants, ce qui, chaque fois, pose des difficultés pour lire le nombre, puisque nous n'avons pas du tout l'habitude de lire les nombres de cette manière. Alors, chiffres et lettres, c'est donc ceci, bien sûr, c'est-à-dire cette difficulté, d'ailleurs, qui fait que, généralement, lorsque vous avez des débutants en paléographie, ils sont finalement beaucoup moins gênés par les nombres représentés sous forme de lettres à la manière romaine que lorsqu'ils se trouvent face aux chiffres arabes où ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette abréviation bizarre qui ne ressemble à rien et en fait c'est un chiffre. Donc vous voyez que ce sont donc des vraies questions, des questions de ce qu'on appelle de paléographes, c'est-à-dire de ceux qui lisent les manuscrits, mais ce sont aussi des questions qui sont intéressantes parce qu'on voit que en fait les copistes n'hésitent pas à mélanger les systèmes et ne considèrent pas qu'il est utile en fait d'avoir un seul système, ça ne les gêne pas, ils alternent, on peut le trouver dans différents textes, par exemple, vous avez un texte qui est celui d'Evard de Conti, ça c'est dans le même manuscrit, alors vous voyez qu'à gauche il y a des chiffres romains, et puis à droite il y a des chiffres arabes, c'est le même manuscrit, ça ne gêne absolument personne. L'autre question évidemment c'est des chiffres et des lettres, c'est évidemment le jeu entre la séparation bien connue, qui est celle qui a été évidemment particulièrement développée depuis Pascal, et l'opposition entre l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, c'est-à-dire un esprit scientifique qui n'est pas un esprit littéraire, donc les chiffres et les lettres, ou les chiffres ou les lettres. En fait, c'est justement l'un des points qui est tout à fait important pour la période médiévale, c'est-à-dire que, en fait, être mathématicien, s'occuper des chiffres, ne signifie pas que l'on est
inaccessible aux lettres, puisque de toute façon, toute personne qui écrit un chiffre est un literatus, c'est-à-dire un lettré, quelqu'un donc qui par conséquent s'occupe de l'écrit. Et en fait, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles la période médiévale est aussi fascinante, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité dans son secteur. La période médiévale est une période où un mathématicien est aussi un musicien, est aussi quelqu'un qui peut écrire des poèmes et quelqu'un qui peut aussi s'intéresser à d'autres aspects qui relèvent de l'astronomie, qui relèvent de la physique, qui relèvent parfois de domaines complètement différents. Et en fait, la spécialisation, qui est sans doute l'un des mots de notre époque, la spécialisation n'existe pas de manière aussi forte que dans notre période. S'il y a des auteurs, et nous le verrons ce matin, qui s'intéressent principalement aux chiffres et aux mathématiques, bien souvent, les savants médiévaux sont des savants qui ont une ampleur de connaissances, de curiosité, qui est en fait tout à fait remarquable. Et c'est la raison pour laquelle aussi cette journée est centrée surtout sur la fin du Moyen-Âge, puisque, j'en reparlerai, on a quand même, à partir du XIIIe siècle, cette espèce de curiosité générale pour tout ce qui arrive de la Méditerranée et au-delà, mais aussi pour toutes sortes de domaines, avec un développement conséquent, en fait, de tout ce qui est le savoir et un appétit de connaissance particulièrement remarquable. Donc des chiffres et des lettres, cela veut dire aussi par conséquent qu'on va essayer de voir justement comment on écrit les nombres, comment on les analyse, mais aussi comment on les utilise. Et on sait qu'en fait, le nombre au Moyen-Âge est partout. Alors, le nombre est partout, on le sait en particulier quand on est spécialiste d'histoire de l'art, puisque bien souvent, les analyses des historiens de l'art insistent justement sur la présence du nombre, nombre 3, nombre 4, nombre 2, nombre d'or, etc. Et dans le domaine littéraire, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on joue sur les nombres. C'est par exemple dans le roman de la Rose, avec La Fontaine, qui a deux tuyaux, deux cristaux, un verger à forme carrée à quatre côtés, une rose à quatre paires de feuilles, où on a d'autres textes comme le Rosarius, où il y a deux parties de 52 chapitres, des jeux sur les nombres, une utilisation du chiffre, et ma collègue Sylvie Lefebvre vous parlera justement de cette espèce d'attirance pour le chiffre, du jeu sur le nombre, le chiffre dans la littérature. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement important, mais bien souvent, c'est utilisé dans une vulgarisation médiévale avec une symbolique qui parfois ressemble à un ésotérisme. Et cela veut dire par conséquent qu'on perd la dimension finalement de la matérialité du nombre, du jeu intellectuel, mais qui ne signifie pas nécessairement qu'on va chercher une autre signification derrière. Et en tout cas, c'était justement le souhait de cette journée, c'est-à-dire qu'on envisage les choses non pas en considérant donc qu'il y a un sens caché à chercher, mais plutôt à s'intéresser vraiment à ce qui relève des nombres au sens strict du terme, c'est-à-dire comment on les utilise, quel usage du nombre, qu'est-ce qu'on fait du nombre au Moyen-Âge. Alors, cela signifie par conséquent qu'on va s'intéresser aux mathématiques, ce qui bien souvent est un domaine qui fait peur à tous ceux qui sont spécialistes de littérature. Le nombre, c'est quelque chose qui effraie. Ça a une espèce de froideur, d'abstraction aussi tellement forte qu'on se sent perdu face au nombre. Alors, c'est d'ailleurs un pari de ma part, puisque moi-même, je suis de formation littéraire, et je dois avouer que si je n'avais pas eu l'appui d'historiens des mathématiques que je connais, donc je peux renvoyer en particulier à quelqu'un qui n'est pas présent ici, mais qui est venu souvent à l'Espace Mendès France, qui est Sabine Romvaux, mais surtout, je voudrais parler de ceux qui sont présents aujourd'hui, à savoir Stéphane Lamassé et Marc Voyon, qui m'ont soutenue dans cette entreprise et qui ont considéré que ce n'était pas déshonorant de parler avec une littéraire
et d'intervenir dans une journée intitulée « Des chiffres et des lettres » et qu'au contraire, ils avaient à nous apporter. Je crois que justement, c'est sans doute les mathématiques font partie parmi les sciences médiévales du domaine qui est à la fois le plus fascinant, puisque c'est quand même l'un des domaines qui est le plus innovant pour le Moyen-Âge, puisqu'on a un changement de système, on a des théories nouvelles, on a vraiment tout un ensemble d'éléments avec de grands mathématiciens dont on cite encore les noms. Donc c'est un domaine absolument extraordinaire, mais qui fait peur et qui fait que du coup on en parle beaucoup moins que l'astronomie, que l'astrologie, que la médecine, que l'alchimie, qui présente l'intérêt d'avoir une espèce d'exotisme sympathique qui, par conséquent, fait beaucoup moins peur. Eh bien, justement, c'est ce à quoi je vais vous inviter aujourd'hui, c'est-à-dire d'entrer dans ce monde fascinant des nombres médiévaux. Alors, on va, par conséquent, avoir une matinée où nous allons être plongés complètement avec les deux historiens des mathématiques qui sont ici dans le monde des nombres, avec Marc Moyon, qui va nous expliquer enfin pourquoi on a changé de système, donc c'est quand même bien, hein, et avec Stéphane Lamassé qui va nous expliquer finalement comment on peut compter et comment il peut exister des cultures mathématiques, donc ça c'est évidemment un élément important dans un lieu de culture scientifique. Ensuite, cet après-midi, donc, il y aura Christine Sylvie qui va nous montrer comment compter avec les mains n'est pas l'affaire d'un enfant, mais bien plus compliqué que cela et bien plus intéressant. Ensuite, il y aura un petit changement par rapport au programme qui avait été prévu au départ. Christopher Luquen ne pouvant venir pour des raisons familiales. C'est donc moi qui, au pied levé, vais essayer de le remplacer autour d'un personnage extrêmement important qui est Richard de Fournival. Et nous terminerons en beauté avec l'usage des nombres dans la littérature, dans les manuscrits, avec Sylvie Lefebvre. J'espère que cette journée donc vous plaira, vous amènera à poser beaucoup de questions, puisque en fait c'est quand même cela qu'on aime, c'est-à-dire échanger, faire comprendre, essayer de lancer des pistes. Et en tout cas, je vous remercie de votre présence, de ceux qui sont là dans cette salle, comme de ceux qui écoutent à distance. Je ne sais pas s'il faut un micro. Si, pour l'enregistrement, d'accord, très bien. Merci Joël. Tu as parlé de déshonneur, j'aurais plutôt parlé d'honneur pour ma part d'avoir été invité par mes collègues médiévistes et historiens de la littérature médiévale, parce qu'effectivement, très souvent, l'historien des maths reste dans son coin parce qu'il fait peur. Peur de ne pas être compris ou peur d'avoir trop de manuscrits un peu étranges à regarder. Alors, mon enjeu aujourd'hui, c'est de vous donner envie, en fait, de regarder les manuscrits de mathématiques. C'est de vous donner envie, avec Stéphane, de vous plonger dans un univers qui n'est
pas du tout différent de celui que vous connaissez si vous faites de l'histoire médiévale, quelle que soit la branche. Moi, je vais vous dire que j'ai peur de l'alchimie, j'ai peur de l'astrologie, j'ai peur de l'astronomie, et j'ai encore plus peur de la littérature médiévale, à laquelle je ne comprends pas tout, évidemment. Alors, je me suis promis aussi de mettre beaucoup d'images, parce que je pense que c'est un des médias le plus représentatif, finalement, du Moyen-Âge. Et plutôt que de répondre a priori à la question de pourquoi on a fait ces choix-là au Moyen-Âge, essayer d'expliquer comment ces choix-là se sont faits. Parce que le pourquoi, c'est beaucoup plus compliqué à répondre. Mais là, je répondrai à vos questions avec beaucoup de plaisir au fur et à mesure de ma communication, si vous le souhaitez. Alors, l'idée est d'avoir un peu un panorama du pré-XIIIe siècle, et on s'arrêtera un peu longtemps au XIIIe siècle, puisque c'est un de mes siècles favoris, puisqu'il y a un auteur en particulier que j'affectionne particulièrement, qui est Leonardo da Pisa, Leonardo Pise ou Fibonacci, et je crois qu'Héloïse vous a distribué un handout qui vous permettra de rentrer un peu dans le texte. Évidemment, on ne va pas faire une lecture de texte ce matin, mais vous l'aurez, et on pourra regarder quelques passages. Alors, très rapidement, et peut-être en guise d'introduction, je fais aussi un cours sur la construction du nombre en maternelle. Et un des premiers propos de mon cours, c'est de dire que le nombre n'existe pas. C'est un concept. Et donc, comme tout concept, il se construit. Alors, c'est ça qui fait peur, en fait, à toutes et à tous, et notamment à nos enfants, hein, aux élèves de maternelle, et puis plus tard. Et cette construction, elle demande du temps. Donc, évidemment, l'épistémologie de ma discipline, là, est fondamentale pour comprendre pourquoi ça demande autant de temps. Là, je vous ai mis un premier document, un détail d'un manuscrit du 9e-10e siècle de Boès. Et vous y voyez des nombres. Vous y voyez des nombres. Alors, vous pouvez voir des signes, vous pouvez voir des lettres, vous pouvez voir des nombres, si vous voulez. Je ne sais pas trop quoi dire comme terme ici. En tout cas, c'est un des détails qui représente ce qu'on appelle les nombres figurés de la période antique et repris par Boès, notamment, ou les néo-pythagoriciens de manière générale, au Moyen-Âge. Les nombres figurés sont des nombres très intéressants, très utiles, parce qu'ils permettent finalement une certaine manipulation. Alors, soit une manipulation réelle. Je pense que cet après-midi, Joël vous parlera d'un jeu de Boès, où effectivement, il s'agira de manipuler les nombres, manipuler au sens étymologique du terme, hein, vraiment, avec les mains. Et manipuler des nombres sous forme triangulaire, sous forme carrée, sous forme pentagonale, ou des nombres pyramidaux, présente un intérêt, puisqu'on peut les voir, on peut les saisir. Mais on peut aussi les manipuler mentalement, de manière abstraite, d'accord ? Et effectivement, on va les plonger sur la feuille de papier ou de parchemin, et on va les dessiner, on va pouvoir raisonner dessus, raisonner au sens de la plus fine arithmétique possible, hein, sur la propriété même de nombres, tels que des paires, des impaires, des paires mampaires, des paires moimpaires, etc., etc., et toute la déclinaison philosophique et mathématique des nombres. Donc c'est une des traditions qui existent jusqu'à la période médiévale, et même encore aujourd'hui, hein, on peut avoir des raisonnements mathématiques abstraits sur des nombres figurés. Évidemment, Joël vous en a déjà montré tout à l'heure lors de l'introduction, je ne résiste pas à montrer ce très très beau manuscrit de Boès, d'abord parce qu'il est richement illustré, mais parce qu'on a une très belle table de multiplication ici, donc au centre du plat de poisson, là. Et vous voyez que cette table de multiplication, donc vous avez ici les nombres, hein, de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et donc vous avez ce qu'on va appeler plus tard une table de Pythagore ou une table de multiplication, c'est-à-dire que chaque case est le produit du nombre de la colonne et de la ligne. D'accord ? Donc ici, vous voyez 5 fois 5
25, et vous avez donc XXV pour représenter le nombre 25. Et ainsi de suite, je vais prendre 9 fois 7, 63, LX, III, et vous voyez votre 63. Alors, vous voyez aussi que le copiste, et ce matin, il va falloir faire attention, mais vous êtes habitué à ça, à bien différencier ce qui est du copiste de l'auteur. Parce que nous avons ce matin davantage affaire à une histoire de copiste qu'à une histoire d'auteur. Imaginez si ce matin je vous mets je vous demande à copier un texte dans une langue étrangère. Je récupère les copies en fin de matinée, je crois que je ne lirai pas grand-chose. Alors, dans une langue étrangère, dans un alphabet étranger. Hein. Prenons de l'arabe, pour ceux qui ne savent pas écrire l'arabe. Eh bien, je pense qu'en fin de matinée, je vais avoir du mal à lire vos textes, au-delà de mes propres difficultés à lire l'arabe d'ailleurs. Donc, ce qui veut dire que là, le copiste, ces copistes, souvent anonymes, sont majeurs dans notre histoire, parce que c'est eux qui vont effectivement diffuser nos symboles, nos lettres ou nos chiffres. Là, on a des libertés. Hein. Par exemple, vous voyez, ici, on a pris le 63, on voit LX et un 3 au-dessus du X. Jamais, dans la littérature sur la numération romaine, on ne voit écrit un symbole de ce type, enfin, de manière canonique, je dirais. Donc il y a une liberté liée, et très souvent ça va être le cas, au papier, liée à l'espace dédié, liée à l'ambition de l'éditeur, hein. Ici, bah, il fallait que le nombre rentre dans la case, hein, tout bêtement. Donc on prend des libertés. Mais certaines libertés vont avoir vont mettre en place des éléments fondamentaux dans le processus d'acquisition des nouveaux symboles. Alors là, on est dans la numération romaine où effectivement on va utiliser les lettres de l'alphabet avec un certain système et on appelle cette numération une numération à principe additif. C'est-à-dire qu'on va, je caricature, mais additionner la valeur du symbole, d'accord ? On concatène les symboles d'une certaine manière, on pourrait développer les règles, mais je pense que c'est inutile ce matin, on concatène les symboles et on va additionner ou soustraire, additionner la valeur de ces symboles pour avoir la valeur du nombre dans son entier, d'accord ? Donc vous imaginez, d'une certaine manière, eh bien, plus je dois écrire un nombre grand, plus je dois avoir une concaténation de symboles. D'accord ? Alors, il serait faux de dire que cette numération n'est pas efficace, parce qu'on l'entend souvent dire, puis je vais finir par le dire en réalité. Elle n'est pas efficace pour un certain nombre d'opérations, elle n'est pas efficace pour écrire une certaine catégorie de nombres. Et je l'ai déjà dit un peu, plus on voudra écrire de grands nombres, moins la numération romaine sera intéressante. Plus on voudra mettre en place des algorithmes opératoires de type multiplication, division, moins la numération romaine sera efficace. C'est pas que ce n'est pas possible, hein. C'est que ce n'est pas très efficace. C'est long, fastidieux, source d'erreur. Mais là, vous avez, par exemple, un manuscrit de géométrie détenu à la bibliothèque de Valenciennes, donc 9e siècle, un des textes qu'on dit être de Podismus. J'en ai déjà parlé dans le cadre de cette salle, d'ailleurs, il y a 2 ans. Il fait partie de ce qu'on appelle le corpus agrimensorum, c'est-à-dire le corpus des agrimenseurs romains d'arpentage. Et c'est-à-dire, c'est le programme élémentaire de géométrie post-6e siècle, juste en gros 10e, 11e siècle. C'est-à-dire que c'est à peu près tout ce qu'on a en latin dans le corpus de géométrie. Quelques bribes des éléments d'Euclide, quelques définitions, quelques morceaux de propriétés, mais souvent tronqués, et surtout, la manière de mesurer des grandeurs, à savoir surface et périmètre, dans des figures géométriques. Donc là, vous voyez des triangles, rectangles, trapèzes,
et ainsi de suite. Vous voyez, et ça c'est une tradition importante, intéressante, qu'on a conservée jusqu'à aujourd'hui, hein, avec des figures qui portent en elles certaines grandeurs. D'accord ? Donc vous avez un texte, l'idée n'est pas de le lire, et vous voyez quand même, de manière assez générale, normalement, ici, la numération, c'est-à-dire les grandeurs utilisées, et là on donne un algorithme opératoire pour mesurer les grandeurs manquantes. Ici, ce seront les surfaces, et on va avoir des algorithmes pour, bon, en gros, hein, par exemple, longueur fois largeur pour le rectangle, c'est-à-dire les formules que vous connaissez aujourd'hui, la demi-base par la hauteur pour les triangles, etc., etc. Et donc, bien là, vous voyez l'utilisation courante, systématique, de la numération romaine, à la fois pour le texte et à la fois pour les figures. D'accord ? Donc là, j'ai finalement une tradition uniforme, on est au 9e, 10e siècle, une tradition uniforme de la gestion de la numération. Et là, je change d'espace géographique, je change d'espace linguistique, parce que je dois maintenant vous présenter, puisque je suis rendu au 9e siècle, je dois maintenant vous présenter un auteur fondamental pour la journée, Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi. Donc sa kunya, son nom de famille, si vous voulez, al-Khawarizmi, nous indique qu'il est originaire du Khwarezm. Ce Khwarezm qui est une région aujourd'hui située dans ce qui serait l'Ouzbékistan. Il est appelé à la Maison de la Sagesse, à Bagdad, par le calife Al-Ma'mun, donc Maison de la Sagesse, Beit al-Hikma, un des ancêtres de nos universités modernes, si je considère que Beit al-Hikma est un lieu d'enseignement, aussi un lieu de prière, mais surtout un lieu d'enseignement, une bibliothèque et un lieu de production du savoir, puisque c'est un lieu dans lequel on va traduire notamment du grec, du syriaque en arabe, et on va mettre en place une production scientifique originale. On raconte que le calife Al-Ma'mun reçoit en cadeau, lors d'une visite d'une délégation d'Inde, un petit livre dont il imagine tout de suite l'importance. Il va voir son mathématicien préféré, Al-Khawarizmi, et il lui dit, je ne sais pas sous quel terme, mais en gros, Momo, quoi, est-ce que tu peux mettre ce livre-là en arabe, de manière à ce que l'ensemble de nos co-religionnaires puissent avoir accès à son contenu. Alors, j'ai pris de la liberté pour raconter cette histoire, parce que ce n'est qu'une histoire. Je n'ai pas de traces écrites témoins de cela. Par contre, ce qu'on a, c'est que Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi a bien rédigé un petit ouvrage qui s'appelle le Kitab al-Hisab al-Hindi, livre sur le calcul indien. Ce petit livre, rédigé en arabe entre 813 et 833, puisque c'est sous le califat al-Ma'mun, serait uniquement dédié à la numération venant d'Inde, développerait les algorithmes opératoires sur ces nombres et, avant tout, finalement, décrirait la manière avec laquelle les Indiens, sanskrit, écrivent les nombres. Alors, comme je parle à des littéraires, notamment, vous aurez bien noté l'utilisation du conditionnel. Pourquoi j'ai utilisé le conditionnel ? Parce que je n'ai pas le texte arabe. Alors si je n'ai pas le texte arabe, et que j'ose le dire devant le streaming, c'est que personne aujourd'hui, à ma connaissance, n'a le texte arabe. C'est-à-dire que le texte arabe d'Al-Khawarizmi est perdu. Mais on a des traces, c'est-à-dire que si je sais à peu près, toujours en utilisant le conditionnel, ce que ce livre contiendrait, c'est que, eh bien, on a plusieurs témoins tardifs qui nous parle de ces chiffres arabes, qui nous indique qu'Al-Khawarizmi en serait l'origine dans ce petit livre, et ce serait finalement l'élément qui introduirait la numération donc indo
arabe en Europe. Ce qu'on appelle et ce qu'on dit être les chiffres arabes doivent maintenant être appelés la numération ou les chiffres indo-arabes, puisqu'ils viennent d'Inde et sont transmis par la langue arabe. Alors, un des premiers témoins, ou une des premières traces, eh bien, c'est Gerbert d'Aurillac. Je ne vous ai pas mis de portrait de Gerbert d'Aurillac sur mon diaporama, mais plutôt le portrait de Sylvestre II, mais c'est le même. Je pense que c'est le seul mathématicien à devenir pape dans l'histoire de la papauté de Rome. Eh bien oui, ce mathématicien, originaire d'Aurillac, fréquente Barcelone, fréquente le nord de l'Espagne, donc le sud des Pyrénées, à un moment où la science des pays d'islam est présente dans toute la péninsule ibérique, appelée Al-Andalus, Al-Andalus étant la partie de la péninsule ibérique sous domination de l'islam. Et donc, Gerbert d'Aurillac, près de Bobbio, découvre ou découvrirait l'ensemble de la science des pays d'islam, et notamment la numération indo-arabe, notamment l'instrument qu'on appelle l'astrolabe, et permettrait ainsi à des latins de découvrir certains éléments de cette science des pays d'islam. Je ne peux pas aujourd'hui intervenir à Poitiers sans citer Baugeois, et donc je cite Baugeois à propos de l'abaque de Gerbert, puisque c'est un des points essentiels. Il s'agit d'une table à colonnes sur laquelle, sans même que soit nécessaire la connaissance du zéro, peuvent être effectuées multiplications et divisions. C'est à ce type d'abaque qu'est liée, on le sait, la première diffusion en chrétienté latine des chiffres dits arabes. Ensuite, il cite dans ce même article le moine Richer à propos de Gerbert. À l'image de ces 9 chiffres, Gerbert confectionna 1000 caractères de cornes qui, déplacés sur les 27 colonnes de l'abaque, permettaient d'effectuer la multiplication ou la division de n'importe quel nombre. Donc, on est au Xe siècle. Donc, Gerbert d'Aurillac devient Sylvestre II en 999. C'est le pape de l'an 1000. Il mourra très rapidement, en fait, en 1003. Et il décrit, donc Baugeois décrit, ce type de document, l'abaque, ou un abaque de Gerbert. On a plusieurs traces dans la documentation aujourd'hui. Et là encore, on pourrait avoir l'impression que c'est un instrument de calcul que l'on peut manipuler. Certes, on peut le manipuler. Je crois que Stéphane a prévu de vous montrer quelques éléments de ces abaques. Mais il serait erroné de croire qu'on ne peut faire que le manipuler. C'est-à-dire que c'est aussi un instrument mental pour travailler la numération. Alors j'aime beaucoup ce document. Certes, il est conservé à la Bibliothèque nationale de France, mais il vient de Limoges. Il vient de Limoges, de l'abbaye Saint-Martial, et il serait daté d'avant 1030. Donc vous voyez, c'est très très contemporain de Gerbert, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a ce truc, ce tableau? C'est un tableau de nombres. Enfin, c'est un tableau de nombres parce que c'est moi qui vous le présente. Si ça avait été un autre orateur, vous auriez dit que c'était un tableau de je ne sais pas quoi, de signes kabbalistiques. Vous voyez la numération romaine, là, un peu partout. On pourrait passer du temps à l'expliquer avec des petits tirets, des machins. Là, vous voyez, alors de manière très importante, des groupements de 3. D'accord ? Et donc, chaque colonne représentant un rang de numération. D'accord ? Et puis, ce qui est important ici, c'est ces symboles-là. Ce sont ce qu'on appelle les symboles représentés sur les apices ou les apices de la bague de Gerbert. Les apices sont des petits jetons qui, avec Gerbert, vont avoir une impression d'un symbole dessus, symbole représentant les nouveaux chiffres de la numération indo-arabe. Donc là, vous avez l'une des premières apparitions dans le monde latin de des symboles de la numération indo-arabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Donc, vous voyez, là, je reviens sur Gerbert, l'auteur, et le copiste de ce fonds de Saint-Martial. Ils sont bien différents. Ce n'est pas un autographe de Gerbert. Et donc, vous voyez, quand on doit rédiger ou copier un manuscrit et représenter des symboles qu'on ne connaît pas a priori, on essaye de faire au mieux, au plus ressemblant. Et là, vous allez avoir, et dans la littérature, vous pourrez trouver un certain nombre de différences entre les symboles sur une période relativement courte, on va dire d'une centaine d'années, quand vous regardez tous les abacs de Gerbert qui ont été répertoriés. Je vous en ai mis un autre ici, où effectivement, l'auteur parle bien d'apices ou caractères, d'accord ? Et donc, il y a différentes formes. Et là, vous avez donc pour l'unité le 1, pour le 2, binarios, le 2, ici, 3, 4, 5, 6, donc 7, ici, 8, 9. D'accord ? Et donc, ne nous trompons pas, ce sont bien les symboles originaires d'Inde, passés par la langue arabe, qui arrivent dans la chrétienté latine, comme dit Baugeois. Mais pour autant, nous avons bien, et ça c'est important de le voir, une superposition de deux systèmes de numération utilisant les chiffres de la numération romaine, ou les lettres de la numération romaine, et les chiffres de la numération indo-arabe. Tout en utilisant maintenant la numération décimale positionnelle. Alors, je vous ai expliqué ce qu'était la numération additive. Maintenant, expliquons la numération décimale positionnelle. Je vous jure qu'après, il y a encore une petite difficulté et c'est tout. La numération décimale positionnelle, ça veut dire qu'elle est en base 10. C'est-à-dire que chaque ordre dans l'écriture du nombre est 10 fois supérieur à l'ordre précédent. Je m'explique. Unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. C, D, U. Eh bien, la dizaine vaut 10 unités. La centaine vaut 10 dizaines. L'unité de 1000 vaut 10 centaines. La dizaine de 1000 vaut 10 unités de 1000, etc., etc. C'est-à-dire que pour passer d'une colonne à l'autre, je multiplie par 10. D'accord ? Donc pour avoir une dizaine, il me faut 10 unités. Pour avoir une centaine, il me faut 10 unités. C'est-à-dire 10 dizaines. Il me faut 10 fois 10 unités. C'est-à-dire 10 puissance 2. Donc, chaque colonne représente une puissance de 10. Voilà pourquoi on l'appelle décimale. D'accord ? Positionnelle. Positionnelle, ça veut dire que, dorénavant, on n'additionne pas la valeur du symbole pour avoir la valeur du nombre total. C'est la position du symbole, de la lettre ou du chiffre, puisque dans certains manuscrits mathématiques, on va appeler le chiffre « literas », le mot « lettre ». D'accord ? Eh bien, chaque symbole, chaque position, pardon, indique la valeur du symbole. Si je prends 121, le nombre 121, je l'écris 1, 2, 1. On est d'accord ? Le 1 de droite, il vaut une unité, donc il vaut 1. Le 1 de gauche, c'est le même symbole, mais il ne vaut plus une unité. Il vaut une centaine, donc il vaut 100. Donc le même symbole a une valeur différente parce qu'il a une place différente en relation avec la puissance de 10 de la colonne dans laquelle il est positionné. Est-ce que ça va ? Donc ça veut dire que maintenant, n'importe quel grand nombre, je peux l'écrire. Il suffit simplement que j'aille le plus loin possible dans mon tableau. Et voilà tout l'intérêt de la numération décimale positionnelle avec uniquement 9 symboles. Alors, c'est Gerbert. On a le manuscrit le plus ancien aujourd'hui, il est de 976. C'est dans une chronique où on retrouve aussi la série des nombres qui n'ont rien à voir avec les apices de Gerbert. On est dans un texte rhétorique et on explique que les nombres venant des Indiens s'écrivent avec ces formes-là, ces figures-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous voyez, de droite à gauche, puisque c'est ainsi qu'on lit l'arabe. Alors,
L'autre témoignage est finalement le plus important parce que c'est celui qui nous permet de rentrer dans le texte d'Al-Khawarizmi, même si nous l'avons perdu en arabe. C'est qu'évidemment, à l'approche du XIIe siècle et de ce qu'on a appelé finalement la renaissance du XIIe siècle, je ne discuterai pas cette expression, mais c'est-à-dire la découverte par le Moyen-Âge latin de l'ensemble des sciences des pays d'islam et une découverte active, puisqu'on va s'approprier ces savoirs par un phénomène massif de traduction arabo-latine. Eh bien, le texte d'Al-Khawarizmi, rédigé à Bagdad, est disponible dans l'ensemble des pays d'islam, donc jusqu'à Tolède, arrivera dans les mains de traducteurs arabo-latins. Et on va la traduire, le texte. Et donc, si on n'a pas la version arabe originelle, on a des versions remaniées de la traduction arabo-latine. Malheureusement, on n'a pas non plus une traduction arabo-latine attestée identique à l'original, comme on peut avoir pour d'autres textes. Donc là, on a plusieurs textes qui nous renseignent sur le texte original. Le Dixit Algorithmi, le Liber Isagogarum Algorithmi, le Liber Algorithmi et le Liber Pulueris. Donc je vais donner quelques détails. Je vous donne des éléments de bibliographie, après vous pourrez aller regarder rapidement. Juste une précision, néanmoins, terminologique et étymologique, puisque je dois aussi faire un peu de littérature quand même. Algorithmi donnera évidemment algorithme, et précisément pour tout ce corpus de textes. Pourquoi ? Puisque c'est dans ces textes-là que, grâce à Al-Khawarizmi, dont la translittération phonétique donne algorithme, d'accord, eh bien, transmet l'idée même d'opérations élémentaires répétitives, ce que donnera un algorithme. D'accord ? Alors, ces textes. Donc là, je vous ai donné des manuscrits, montré des manuscrits, et puis quelques traductions ici en français. Al-Khawarizmi a dit « J'avais vu les Indiens utiliser 9 lettres pour tout leur nombre grâce à une disposition qui leur est propre et qu'ils ont posée. Et j'ai voulu dès lors révéler à propos de l'œuvre qui les utilise quelque chose qui fût plus léger pour ceux qui apprennent, si Dieu veut. Dès lors que les Indiens ont eu cette volonté et que leur effort dans ces 9 lettres a constitué la matière qui m'a été ouverte, Dieu m'a conduit jusque-là. S'ils ont fait cela pour une autre raison que celle que j'ai exposée, la même question pourra être résolue avec certitude et sans la moindre ambiguïté par ce que j'ai exposé, etc. etc. Ils ont donc fait 9 lettres, dont les représentations sont les suivantes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, vous pouvez chercher dans le manuscrit, le copiste n'a pas copié les symboles. Alors, comme dans beaucoup de manuscrits mathématiques, et je pense de manuscrits que vous avez l'habitude de voir aussi, eh bien, il y a un certain nombre de tâches que le copiste du texte central n'effectue pas sur le manuscrit. Il laisse à intérimaire, ce n'est pas le terme, comment on dit quand on embauche quelqu'un, quoi, enfin, un prestataire de service, quoi. Par exemple, les lettrines peuvent être faites par le copiste ou par un autre copiste spécialiste de lettrines. Les figures géométriques que vous avez vues tout à l'heure peuvent être faites par le copiste principal ou par un copiste secondaire. Et bien là, j'imagine, que sur ce manuscrit-là, il était prévu qu'un copiste secondaire, peut-être plus aguerri à la forme de ces nouveaux chiffres, puisse rédiger, recopier ces chiffres-là. Donc il existe aussi des divergences entre les hommes dans ces représentations. Ces divergences ont trait à la représentation de la 5e lettre, de la 6e, de la 7e, aussi et de la 8e. Mais il n'y a là aucun inconvénient. Il y a en effet des signes qui représentent un nombre, et les lettres dans lesquelles se situent les divergences sont les suivantes. Et là, le texte est tronqué. Autre texte, c'est le Liber Isagogarum. Alors là, vous voyez qu'on les voit bien. Je vous les ai remis ici pour qu'on les voit encore mieux. Et on ajoute un symbole à part qu'on écrit soit avec le petit rond, soit comme un tau ici, qui deviendra le zéro. D'accord ? Je n'ai pas le temps de lire tous les textes. Je crois pas, je ne sais même pas quelle heure il est. Il me reste combien de temps surtout ? Non, il reste du temps. Ah, bon, d'accord.
20 minutes, très bien. Donc voilà, par exemple, donc la première figure en première position représente l'unité, la seconde représente le nombre 2, et ainsi, en suivant l'ordre naturel, la dernière représente le nombre 9, et ainsi de suite pour les autres nombres. Donc vous voyez, et au fur et à mesure que je vous montre les diapos, prenez des photos, hein, et vous comparez-les, vous voyez que effectivement les symboles évoluent. On ne peut pas forcément toujours retrouver la même forme. Alors, autre manuscrit, donc d'une autre version du texte d'Al-Khwarizmi. Alors, l'idée était vraiment de vous montrer des manuscrits de maths pour vous montrer que c'était les mêmes que les vôtres. On est dans des maths rhétoriques, de toute façon. Hein. Donc là, vous voyez la suite de nombres. D'accord ? Elle est ici. Alors, je vous avais promis aussi, enfin j'avais promis à Joël en tout cas, de montrer l'utilisation de ces nombres dans différents domaines mathématiques. Parce qu'évidemment, ce qui va faire la force de cette numération, c'est qu'elle ne va pas être cantonnée à une discipline mathématique qui pourrait être, par exemple, l'arithmétique pratique. D'accord ? Mais en arithmétique pure ou théorique, mais en algèbre, mais en géométrie, etc., etc. Alors là, je vous montre des manuscrits du Liber Mensurationum, livre sur le mesurage. C'est un livre, alors, qui n'est pas un livre d'arpentage, au sens agrimensor du terme. C'est vraiment un livre dans lequel l'auteur, un certain Abou Bakr, nous résout des problèmes sur les grandeurs mesurées de figures géométriques. Vous prenez n'importe quelle figure géométrique, ou presque n'importe laquelle, plane, voire solide, donc en 2D ou en 3 dimensions, et vous donnez un certain nombre de grandeurs et vous cherchez toutes les manquantes, donc R, périmètre ou dimension, longueur, largeur, hauteur, etc. D'accord ? Et vous jouez avec ces figures. Donc il est clair que ces corpus-là ne sont pas des corpus d'utilisation pratique, mais plutôt des corpus liés à des corpus d'études à la faculté dans le cadre du quadrivium. Alors, vous voyez ici, et c'est ça qui m'a intéressé de vous montrer, c'est que pour un même texte, vous savez bien qu'on a souvent, par chance, plusieurs copies. Et donc là, vous allez voir que l'auteur, définitivement, doit être distingué du copiste. Alors encore plus ici, où il y a un auteur originel qui est un auteur arabe, puisque le Liber Mensurationum est une traduction arabo-latine, il y a un traducteur latin, et il y a les copistes. Donc vous voyez toute cette chaîne de transmission, alors même qu'on parle de paléographie, alors même qu'on parle d'études du graphe, quoi, hein. Alors, je vais m'intéresser au texte, mais surtout aux figures. D'accord ? Donc là, c'est la page d'un manuscrit de Paris, celle-là de Cambridge, du même passage. Je zoome sur la figure. Alors, c'est intéressant parce que ces figures sont annoncées dans le texte, donc elles ne sont pas indépendantes du texte. Donc là, vous avez un trapèze avec un certain nombre de grandeurs représentées sur ce trapèze. Donc là, vous avez une des bases, tria. Donc vous voyez le mot, hein, entier. Et là, 3, en chiffres romains. Là, vous voyez, si vous voyez de loin, je ne sais pas, septem, et là, 7. Là, vous voyez, je ne sais quoi, moi je ne vois plus rien. Alors on devrait voir quelque chose comme 5, mais ça marche pas. Bon, je ne vois pas, je suis désolé. Là, sexe, donc 6, bon, etc. Alors, ce qui va m'intéresser, par exemple, c'est ça. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit là ? 4. Oui, bravo. 4. Ah oui, je vais faire des petits sondages comme ça, c'est bien. 4 eterna. Et non. Presque. Trina. Non, presque. Tertia. Tertia. Ah, ouais. Oui. En effet. Donc, 4 et tertia. Alors, là arrive un premier problème pour le mathématicien, mais aussi pour les auteurs de mathématiques
qui vont devoir jouer avec une numération qui n'est pas nécessairement que pour les nombres entiers. Ce serait bien si on pouvait compter que sur les nombres entiers. Mais le problème, c'est qu'il y a des nombres rompus. C'est-à-dire que lorsque je coupe l'unité, j'obtiens une fraction. Hein, fractio, je coupe. Je coupe l'unité, j'obtiens une fraction. Ce qu'on appelle aussi dans la littérature les nombres rompus. Donc, dans la littérature médiévale, et pendant très longtemps, la fraction est un nombre inférieur à 1. C'est une division de l'unité. D'accord ? Eh bien, comment je la représente, cette fraction, avec ma numération décimale positionnelle ? Eh bien, j'ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Donc, alors, avec la numération romaine, je n'ai pas plus d'idées. Hein. Donc là, ben, je fais appel à la langue, c'est-à-dire le support de communication de toutes et tous, et je mélange donc 4 et tertia, donc 4 et 1 tiers. D'accord ? Eh bien là, sans difficulté, vous allez lire quatuor et tertia sur la hauteur. D'accord ? Alors là, je dis sans difficulté, parce que finalement, c'est très homogène. De toute façon, on est là avec les lettres, les mots de l'alphabet. Alors, voilà un exemple qui va m'intéresser par la suite. On va le développer. Un deuxième exemple, ici. Un triangle. Alors, juste pour la culture personnelle, rappelez-vous que c'est un triangle isocèle. Il a deux côtés égaux. Celui-là, décem, et décem, donc 10 et 10, et duodécime, 12 pour la base. Donc, vous devez soit trouver la hauteur, ici, cette longueur-là, si vous pouvez le faire, soit, comme vous avez la base, enfin, de toute façon, oui, trouver la hauteur, soit vous connaissez une formule qui vous donne l'air dans un triangle isocèle. Bon. Alors là, l'auteur va calculer la hauteur de ce triangle. D'accord ? Alors, rappelez-vous, en fait, on va faire un peu de maths quand même. Rappelez-vous comment, dans un triangle rectangle, on détermine la longueur d'un côté. C'est Pythagore. Alors, rappelez-vous de Pythagore, c'est quatrième. Il y a un truc qui arrive quand on fait du Pythagore obligatoirement. Le carré de l'hypoténuse. Oui. Et alors, quand je veux que l'hypoténuse, parce que là, tu me donnes le carré de l'hypoténuse. Moi, je veux que l'hypoténuse. Je vais prendre la racine carrée. Ah oui. Aïe. Aïe. Parce que si je prends la racine carrée de 16, c'est pas grave, c'est 4. 4 fois 4, 16. Mais si je prends la racine carrée de 15, trouvez-moi le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 15. Ben ce nombre, il n'est pas entier. Parce que 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 16. 15 est compris entre 9 et 16. Je n'ai pas de racine entière de 15. Donc aujourd'hui, on va l'écrire avec, rappelez-vous de ce truc-là, la barre, un V comme ça que je prolonge, ou un R avec 15 en dessous. Mais nous sommes au Moyen-Âge, nous sommes en train de donner sens au nombre, d'accord ? Ce nombre-là est ici. Qu'est-ce que vous lisez ? Radix. Radix. Oui, radix, racine. On y vient, hein, notre colloque sur la racine. Alors, racine, et là, un nombre. En romain, bon, il ne se lit pas très bien. 75. Alors, c'était assez facile, parce que pour ceux qui connaissent Pythagore, on fait 100 moins, donc là, la moitié de... Ah, mais là, on a le 10, 10, 10, en fait. Hein. Donc, 10, 10, donc la moitié de 5, 100 moins 25, 75, racine de 75. Et là, qu'est-ce que va écrire l'auteur ? Bah, radix. Et alors là, j'ai pris l'isocèle, là, j'ai pris l'équilatéral, mais c'est la même... Donc là, la langue, la rhétorique va faire que je vais nommer le terme, le nombre que je veux utiliser. D'accord ? Mais vous voyez que c'est les mathématiques, le raisonnement mathématique, les résultats mathématiques qui vont imposer à la communauté, d'abord mathématicienne, puis aux usagers, de voir que cette numération, on va devoir l'utiliser dans d'autres domaines, c'est-à-dire créer de nouveaux ensembles de nombres. Alors, j'en arrive à Fibonacci. Mais là, je passe sous silence, puisque...
puisqu'on est dans le Moyen-Âge latin, j'ai passé sous silence toute la période médiévale maghrébine, de laquelle Fibonacci tire l'ensemble de son savoir. Je ne dis pas que Fibonacci doit être réduit au savoir maghrébin mathématique, mais je dis que Fibonacci tire l'ensemble de son savoir du Maghreb, et notamment de l'actuelle Algérie, Béjaïa, puisqu'il l'écrit dans son prologue. Alors, ça, c'est le début du Liber Abaki. Ne pas considérer que dans Abaki, c'est la traduction de Abak, au sens où je vous l'ai dit tout à l'heure, instrument de calcul. Là, c'est Abaki au sens calcul simple. Et sûrement pas, justement, calcul instrumenté, mais calcul théorique. L'envie de Fibonacci est de transmettre dans son Liber Abaki l'ensemble de la numération indo-arabe, donc décimale positionnelle, les chiffres et la manière avec lesquelles on va utiliser ces chiffres. Donc c'est l'exemplier que vous avez en votre possession, tout le début du Liber Abaki, où il dit comment on met en place la numération, c'est-à-dire quels sont les chiffres, comment on les écrit et comment on utilise cela. Donc par souci de gain de temps, je vous laisserai regarder. Et il explique ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les puissances de 10, les groupements de 3, et il explique même à la fin de son paragraphe comment on peut lire facilement un nombre écrit en numération indo-arabe. Parce qu'il y a l'écrire, mais il y a aussi évidemment le lire. Et donc il explique ça tout à fait clairement. Alors, évidemment, là, dès le départ, il doit confondre au sens comparer les deux numérations à l'heure existante, la numération romaine et la numération indo-arabe. Alors, on ne le voit pas très bien ici, on le voit mieux là, dans l'exemplier, je vous l'ai mis en marge. On a un tableau où il a mis en haut la numération romaine de certains nombres et il écrit en bas ce que sont ces nombres en numération décimale positionnelle avec les chiffres indo-arabes. Et d'ailleurs, Fibonacci ne parle pas des arabes ici. Enfin, excusez-moi, si un peu. C'est-à-dire qu'il dit bien que ce sont les chiffres indiens, reprenant ses sources arabes. Mais il dit aussi qu'à ces 9 symboles, on doit ajouter un autre petit symbole, un circulum, que les Arabes appellent zéphirum, cifre en arabe. Zéphirum qui donnera, évidemment, étymologiquement, le mot chiffre. En fait, le mot chiffre vient du terme zéro. D'accord ? Donc, cifre en arabe veut dire zéro. Enfin, signifie le zéro, le petit cercle qu'on utilise, soit pour dire la place est vide dans mon tableau de nombres, soit pour opérer sur les nombres, justement, lorsque la place est vide. Allez, alors maintenant, c'est deux petites devinettes. Je vous ai mis une page du Liber Abaki. Alors, vous voyez aussi l'importance dans cette copie-là, qui est très très belle, hein, qui est à Florence. L'ensemble des données numériques est rouge. Tout le texte rhétorique est noir. Ces symboles ressortent. Dans beaucoup de textes de cette époque-là, soit on utilise une encre différente, soit de toute façon, comme on le fait dans certaines figures géométriques, on va entourer le nombre vu comme un symbole de deux points. Pour bien dire que ce nombre-là, ce n'est pas des mots du texte. C'est un symbole mathématique. D'accord ? Est-ce que quelqu'un connaît ce tableau de nombres-là ? Donc je vois 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Ah non, là tu me devances. Tu as déjà vu mon diaporama ? Non. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la suite de Fibonacci. Et chaque nombre est la somme des deux précédents. Et il décrit ce problème, qui est l'un des premiers problèmes de modélisation mathématique, sans doute, où il met dans un enclos un couple de lapins, tout parfait, un homme, une femme,